Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire Royaume Ogre avec Grécius. Et on commence par cette petite bataille, j'espérais que ça soit un goulot, mais non. Mais non. C'est pas grave. On va tenter la chose. Alors, de mémoire, quand on attaquait comme ça dans Warhammer 2, avec une armée qui était déjà positionnée dans la ville, les renforts venaient pas de... Enfin, la garnison venait pas après. Sachant que là, je crois qu'elle va venir instantanément. Sacré Bastorok, celui-là. Je pense qu'on va essayer de la jouer par là. En vrai. Je voudrais bien arriver à faire un peu un concentré de tir comme ça. Genre comme ça. Avec les ogres qui se mettent devant, les points d'acier. Et après on voit. Today is the day of butchery. Tonight we feast on me. Thundering Fall. Maw's right hand. Oh là là, oh là là, Leader of butchers. Hey, Noblas! Take it all! Iron fists! The meat hook is ready! Oh, l'erreur! Face me, monster! Rampage! Alors, le truc, c'est que on est un peu vite engagé quand même là. On va se calmer les gars. On va éviter quand même la précipitation. Et après on y va. Looking for me. This way. Forcément, vous êtes face à des orques costauds, ça marche moins bien. Fresh meat! Noblar!
Ok. Ça commence à faire mal des deux côtés. Allez, les ogres fuient un peu, mais c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est continuer les affaiblir ici. Gratter ici pas mal en termes de justement de morale, tout ça là. Alors est-ce que niveau moral, faudrait que je cours après tout ce que je peux. Dommage, ça fuit. Allez les gars, on tient le coup. Voilà, il y a du moral qui se défait. On essaie d'achever. I
seat ingredients! Chop and cleave! Roast them! Ogre slaughter master! Slaughter them! Volcano's command! Right hand! But he's over, mates! Call of the Maw! Run for it! Allez! Fresh meat! The meat hook is ready! Oh là là, les cannibales, c'est les MVP, je vous dis! Je sais même pas comment on tient en fait. C'est vraiment grâce à eux. Hein. Oh là là, mais il y a encore des héros! Alors comment vous faites pour proc, les gars? Allez! Yes! Je suis impressionné par les cannibales. Non, je suis sur le cul des cannibales. Littéralement là. Bah ouais, hein. Les cannibales. Y a que eux. C'est eux qui ont soutenu moralement tous. Parce qu'ils étaient trois dans le tas à tenir et à jamais abandonner. Jamais. Fou. Salut Ritsu. Ah, bonne chance du coup, Trader. Comment ça va? Voilà, ils parlent d'eux-mêmes. Surtout si on fait des dégâts, mais... Eux. Voilà. Oh, après, je pense que même eux, ça se trouve, ils ont fait autant de dégâts que les ogres, là, les petits gnoblards, là. 407 ! Ah bah oui ! Oui, à force de spammer. C'est vrai, 47 000. Bon, bah ça a aidé beaucoup aussi, mais... Vous voyez, 10 000 de dégâts contre 4546. Alors, on va gentiment prendre la régène, hein, c'est sûr. Hein. Ça va bien. Ah bah ouais, hein, si c'est ça les... Enfin, si tu recrutes des cannibales assez vite avec Scrag et que ça te permet d'avoir des indémoralisables boostés... Eh oui, on comprend, hein. Le temps des destins. Il va bientôt rugir. Il va rugir. Il va faire trembler la terre. Slow a master. Je vous le dis.
Bon. Après, à la base... Au pire, si je fais ça... Ouais, non, ça m'embête quand même de les perdre un peu. Oh. Vraiment, ouais. Je pense pas, hein. Je pense pas ce qu'ils disent, là. On va peut-être la faire. Bon, toi, il faudrait que je te fasse ton armée, quand même. À un moment, My will does not bend. There's no gaps bigger. Moi, à la base, j'avais prévu de... Everything we find is mine. J'avais prévu d'attaquer ça là, donc bah, tant pis, hein, on va le faire avec celle-ci. Hein. Avec celle-ci, on va se mettre en embuscade. Peut-être l'attaque éclair, toi. Hein. Voilà. On t'attend, copain. Nombre de projectiles 5. D'accord. Ah oui, ça tire 5 trucs quand même, ça. Ok, ok. Oignon. Oignon. Ok. Quatre tours. Ok. We ain't happy. 8 tours, c'est un peu plus long. Ouais, je pense qu'on va la faire. Hein. Je vais peut-être booster un... En gros, cette armée-là, normalement, je voudrais qu'elle soit plus petite après, quand même. Et vu la puissance des cannibales, genre une petite armée à base de cannibales, voilà, hein. Alors c'est vrai que si je fais ça à ça, je peux tout de suite réduire un peu. Voilà, ça se ressent quand même dans l'économie. Et je pense qu'on va y aller à nous-mêmes. Ouais. Non, non, franchement... je me répète, c'est la grosse surprise des ogres, hein, les cannibales pour moi. En termes de skin, bon, je suis pas forcément plus fan, parce que c'est vrai que dans Warhammer, quand même, c'est important le côté esthétique, les goûts. Hein, je dis pas, faut que ce soit beau, faut que ce soit en fait dans le thème de l'armée, et on peut beaucoup aimer. Là, le cannibale, bon. C'est pas un truc de ouf, mais on va quand même se le dire que ça fait très 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 bien le café, quoi. The hunger gnaws. Hungry. C'est marrant ici. Je peux aussi être dans l'ombre là-bas.
J'aime beaucoup. Alors, je connais hein, le... Quoique... Oui, si, si, je connais. Je connais le... Je crois même que je l'avais... On l'avait fait, hein, du coup, sur la campagne multi, ça. The Swordmaster! I'll do it! Butcher them! Rampage! Je sais pas si ça sert vraiment de... De comment... Bah là, je vais enfoncer cette porte. Mais de ce côté-là, à mon avis... Je vais la péter à la gîte pierre. Cookmaster Supreme! Enfin, si ça marche. Enfin, ça devrait être rapide ici. Ça va accélérer le truc. Mais tu vois qu'il est content, tu vois, d'aller le chercher. Tu vois, il est heureux là. Viens là! Ils sont cool quand même, hein. The possession is ours. The meat wants it back. It is secured, old boy. Roast them! The meat steals from the Maw's children! Guided by hunger. Yes. Est-ce que je peux one shot ça là en vrai? Ah ouais! Bah ça oui. Ah oui, d'accord, on peut littéralement dézinguer une barricade. Bon, par contre, ce qu'on va faire, c'est le gobos, on va le choper là parce que. Là, il fait le malin, mais. Allez, c'est bon. Hein. C'est lui qui fait tenir au moral là. Oh, c'est fou! Ça pète des murs, ça te pète des... Vous vous rendez compte, tu fais une barricade, elle est instantanément tuée par un truc que tu peux faire à l'infini dans la bataille en ogre. Je sais pas si en multi ça marche, en multi siège. Mais Alors, est-ce qu'on peut péter une tour? Ça t'ouvre en fait instantanément, puis c'est, le CD est pas long quoi, hein. J'ai l'impression que c'est une minute. Si tu casses le mur en fait, ouais, toutes celles qui se trouvaient sur le mur à ce moment-là tombent et meurent. Ouais.
Donc tu peux littéralement... Alors évidemment, lui, il va l'équiper, hein, l'autre badine du trompeur, hein, parce que avec lui, ça marchera de fou, hein. Non, ça c'est nul du coup, j'aurais bien aimé le faire sauter. Ça c'est pas mal sur un Master Rock quand même. Je vais le réserver aux chasseurs. C'est très très fort. Je préfère quand même celui-là. Hein. La poignée de laurier, du coup, ça va être sur un... Peut-être pas sur lui. Parce qu'on a dit la badine. C'est dommage, je peux pas faire grand chose, donc pour l'instant je suis obligé de prendre ça. Bon bah au moins il fera des niveaux 2 assez rapidement. Enfin sans se brûler on va dire. Et la plaque de buff c'est pas pour lui. Et tu combines la plaque de buff plus l'étendard du buffle. À un moment le Master Rock très très énervé hein. La bannière de guerre, tu peux l'enlever. En auxiliaire, qu'est-ce que je peux lui mettre? Ouais, non, bah... Là, j'aurais dû laisser ça, hein. Portée de déplacement. Hein, très important, ça. Ok. Bon. Il va se régène. Ses troupes vont se régène. Lui, il va peut-être pouvoir sortir de l'armée. Tyrant of the tribe. Donc là, il va peut-être falloir... constituer une seconde armée. Donc là, on s'est mis dedans. Là, on s'est mis en campement. Ok. Ah, il ose, hein. Il ose. Eh ben, il a pas peur, hein. Et ouais, carrément en fait, il... Ah ouais. Défaite valeureuse, ouais. J'en ai jamais douté. C'est peut-être ce qui fait défaut un peu au ventre dur, c'est leur nom. Faudrait que je regarde les mangeurs d'hommes, combien ils sont, eux. Voilà, normalement, mes crash-plombs vont ouvrir un... Pas mal d'unités.
Le bout de fer aussi. Leg belchers. Ah ouais, ils ont un tout petit peu plus de portée, tiens. Ogres. Heureusement que j'ai donné le contrôle. Hein. Le bout de fer. J'ai pris un gros gros canon. Il est énorme. Il a l'air trop bien. En tout cas, en termes de puissance, il l'est, hein, 2000. Après, on verra. Me. Bring us me. When do we eat? Cavalry. All shall burn. Where's me master? Biggest in the tribe. Je pense qu'eux vont courir dans la mêlée avec ça aussi. Et cela, vraiment les mettre là. Avec ça. Notre sorcier, il reste là. Hungry. Bon, est-ce que s'ils prennent dans la gueule, c'est pas grave? Je crois que oui. Hein. I'll smell ya. When do we eat? Oh yes. Ouais. Par contre, il n'impressionne pas. Hein. En termes de tir, il fait pas flipper. Hein. Mournfang Cavalry! Hunter! Off we go! Where's me master? Find him and kill him! Rampage! Rampage this way! Genius. Par contre, il a l'air de bien négocier quand même. Ça va. 52 morts déjà. On va éviter de tirer sur des trucs inutiles. Ça, c'est pas mal ça. Mournfang Cavalry! Cavalry! They'll do! Follow the Moor's call! The Moor calls! Done! De quoi? What? Mais Mastorak, vous allez où? Eh oh! Bah. Là, c'est la sentinelle qui vous a fait ça? Off we go. Ah ouais! Rigolez pas en fait, hein! Ogres. Meal time. The Horde, Master! I'll do it myself! Hunt them
them down! Hunter moving! Ingenious! Hungry! Here we go! Ogre's attack! Guards out, boys! In my cup! Ah, mais il y avait peut-être les canons grues dessus. Ce qui serait pas si étonnant. Tyrant of tyrants. Meal time. The quarry is mine. Looking for him. God shall, boys. Bon, les longues mains, ils commencent à casser les couilles, hein. Shroot. Pray. Greatest gold. The ball calls. Ball bang. Gnawing hunger. Tracker. Lead belchers! This way! Cavalry! Eat them! Scourge of beasts! Crunch their skulls! For sure! Tribe on the move! Leg it! Alors je sais pas si ça fait du TK, mais au pire. So I hand my next trophy. Master Seeker. Follow the boar's call. Tracker, trapper, killer. Here we go. Leg belchers! Off we go! Biggest in the tribe! Leg belchers! Find a meal! Munch 'em! Limb from limb! Bon, y'a tout qui fuit, hein. C'est vrai que les arquebusiers, je pense, descendraient plus vite l'unité que les crash-plombs. Malgré leur puissance de feu, pourtant, hein. Ultimate Hunter! Over Tyrant's orders! I am quand même, le bout de fer fait mal, hein. Faudrait que je regarde là en termes d'unité mangeur d'hommes, combien ils sont maximum par rapport au ventre dur.
impressionnant, c'est qu'ils ont subi zéro dégâts, apparemment. Ça, je sais pas pourquoi, mais... ils ont pas connu la perte. Oh, tout va bien. Ok. Donc eux, c'est vraiment... C'est 16 maximum. Alors que quand tu cherches à recruter... Genre les plus puissants. Est-ce qu'on a le droit... On a accès aux plus puissants, non? Genre les... Non, ils sont aussi 16. Ouais. Ils sont 16, 16, 16. 16 aussi. Tout ce qui est ogre puissant, c'est 16. Par contre, ils passent à 24 quand c'est les buffles. Les buffles sont plus nombreux. Ok. Vous croyez que les broyeurs, c'est différent de la cavalerie férox en... Pardon. On a les broyeurs. Broyeur point d'acier. Broyeur arme lourde. Les mangeurs d'hommes, quand même, en termes de stats, 40-42, 110 perce armure anti-large, 54, 80 de commandement. Pour 70 de commandement, 36-36, hein, sont moins bien. 110 de puissance d'arme, perce armure. 110 de puissance d'arme, perce armure anti-large, hein, 54-46. Hein. En termes de stats, ils sont au-dessus, surtout. Hein, en armure, perce armure, charge ogre. Perce armure, anti-large, charge hog, c'est quoi qu'ils ont? Perce armure. Bah oui, ils ont aussi. En armure. Par contre, ils sont en armure. Ouais. Ils ont un peu plus d'armure, mais bon, moi j'ai tendance à préférer la défense mêlée à l'armure, hein. Ça c'est clair. Ils sont pas. Par contre, oui. Voilà, c'est 250 contre 350. 9280 contre... Ouais, pareil, même HP. Donc... Ça... Après, ça peut jouer aussi là-dessus. Là, genre, quand t'augmentes... Quand t'augmentes les ventres durs, c'est ici. Et les mangeurs d'hommes aussi. Et est-ce qu'à la fin, tu boostes les deux? Ventre dur et buffle, ici. Alors que, du coup... mangeur d'hommes, c'est ici. Donc les mangeurs d'hommes, après, goldés, sont au-dessus quand même. Ils sont clairement au-dessus. Ah, faudrait que je teste. Pour l'instant, j'ai même pas encore investi dans tous les bâtiments. Disons que... Ça fait un peu cher. Alors grâce à ça, je peux commercer encore autre chose, de l'obsidienne. Et normalement l'obsidienne, c'est pas mal. Hein. Donc je pense qu'on va aller créer un camp... J'aimerais bien avoir la ville dedans. Ogres, stomp on. Là, normalement, elle est dedans. Elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. Bam.
Croissance, pognon. Ok. Time for a feast. Comme ça, on espère que ça la protège. À la limite, j'hésiterai pas à mettre l'armée dedans. Anyone wanna challenge me? Follow the meat stench. The boss. Ok. J'avais pas vu ça. Bon, après il se perd un peu. Il y a aucun bâtiment qu'il ne peut, enfin qui peut attaquer avec ça. Must face. Remember, no one ever be Greasus. Let him go. I said so. There's no gut bigger. Appease. Il a littéralement plus de vie, hein. Si j'arrive à lui choper celle-ci. Faut voir. Dans un tour, là on va pouvoir discuter. Je vais probablement pouvoir supprimer celui-là. Il faut préparer chacune des villes d'ailleurs avec ça. Donc du coup... celle-ci est peut-être la moins en danger en soi. Je vais supprimer ça. Supprimer aussi. On va capturer cette ville. À un moment, je mettrai en recrutement global et Il peut long quand même, hein. Ouais, il y a l'armée en raid, des niveaux d'autorité, 10, ok. Je peux peut-être me cacher, hein. Parce que celle-ci, il peut la tenter, hein. Can't be bothered. Come on, faster. Comme ça, il tente ça plutôt que de... Et je le tue. Ils sont pas si haut en vie que ça, hein, les personnages en vrai. Hein. Tout. On peut faire la même chose, peut-être. Cressus, c'est un sac à PV par contre, lui. Mais autant pour un. A fine tool of butchery. Lui, ça va. Bah, lui, ouais, c'est vrai, Gracius, lui, par contre. C'est un bon sac à PV. Hein. Alors que c'est une petite entité. Euh...
C'est au prochain tour qu'il est sur Mastorok, c'est parfait. Alors si je l'améliore, je peux faire quoi? Coût de recrutement allié en dehors du territoire allié, moins 50%. Ah ouais. Ah ouais. Eh bah vas-y hein. Obey me, Roxy Khan. My coupon awaits. Bientôt, bientôt, peut-être. Most chosen. Ah, une alliance militaire. Et pourquoi pas? Behold my aromatic meat stew. You may only have the giblets. Vous n'aurez que les abats. Ah, c'est dommage hein, de partir sur ce. Attendez, non, attendez. Déjà, avant tout, j'aimerais bien lui, mais. Pourquoi lui refuse? Alors que lui, il est archi chaud. Il est chaud de fou. Un joli territoire, je suis en train de compléter celui-là. Ouais, non, on va attendre que ça passe. Je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que, disons que... Avec les failles qui arrivent, j'aimerais ne pas avoir... Bah, l'autre m'a pas vu, du coup. Listen to what Grace says, you'll be fine. Non. Au confédère, et après, je sais pas. Il faudrait qu'on tue Kéros. Comme ça, il y a un concurrent en moins et il arrête de donner les villes et tout, là. Slaughter Master. Gracious. The shockingly obese. Ouh. On était là. Attendez. Avant. Alors. Ici, c'est quand même deux frontières. Hein. Celle qui risque d'être le plus attaquée, normalement, c'est plus elle que l'autre, non? Donc là, j'ai plutôt envie de renforcer ça. Comme ça. Et l'autre, justement, de mettre autorité et corruption. Ensuite... Ici, c'est bientôt terminé. Si c'est pas tout de suite. Par contre, ici, oui. Et alors ça, ça coûte 7000. 5 tours à construire. Je vais sûrement annuler un bâtiment pour commencer à le construire celui-là. Bam, voilà. Là, il faudrait le pognon. On va laisser. Ok. Ok, ok. Là, c'est bon. Là, j'ai construit du coup le camp. Lui, je voudrais quasiment qu'il ait que des cannibales comme ça au moins. On sera bien, je vais aller chercher ça.
C'est même pas dans mon territoire en fait. C'est lui qui a. Oh là 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 là. Mais lui, si je rentre en guerre avec lui. Je rentre en guerre avec tout ça. Ah, c'est dommage, un petit accord commercial là. Après, il a pas beaucoup de puissance. Hein. Je crois qu'une seule armée et on s'occupe de lui. Hein. Bon, bah là, on arrive. Master of Offal. The Over Tyrant. All spoils here. Tribe Lord. Carve and grind. De l'usure due à quoi? Oh, c'est chiant, il y a de l'usure partout là-dedans. Ah, si elle se trouve dans les, désolations du chaos. Ah, d'accord. Y a pas moyen d'annuler ça, là? Consumed. You'll incur my displeasure. Bring me ingredients. I do not think so. What are you? Bon, si je leur pousse, je pense qu'on devrait être tranquille. The lowliest farmer to might. Comment ils se portent en vrai le chaos là? Bon, bah, team, ça va pas bien. Slaanesh se porte bien, hein. Et y a pas Khorne. Oh, Nurgle, il est dans la merde. On l'a entendu dans sa voix. À l'aide. À l'aide. Je vous jure, j'ai pas voulu le faire. Mais ouais, mais non, mais carrément, en fait. Khorne est hors course. L'oracle, je le tue, c'est bon. Véroleur, il va crever. Wouah, on a deux du chaos qui vont littéralement mûrir. Ah, ça, je m'y attendais pas, ça. Ça, je dois l'avouer. C'est des bras attendus, hein. Follow the meat stitch. Tribe Lord, Tribe Staler, voilà. Master. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il compte attaquer, mais y a rien qui passe, hein, en vrai. Hein. Mon truc est hermétique. Gracious, the shockingly outbase. Du coup, il se casse. Ah non. Bah là, du coup, il a perdu. Il me laisse régène. Ah, je l'avais pas vu venir, ça. Bah ça, forcément, ouais. Bon, bah ça, ouais. Ah, l'enfoiré! Je pensais qu'il a... Bah, je pensais pas qu'il avait la portée pour sauter là-dessus. Je pensais qu'il devait faire le tour. Oh! En plus, je crois que j'avais investi pour le bâtiment, mais comme il met 3 ans parce que c'est pas vraiment chez moi, bah du coup, c'est la merde. Et les failles sont apparues. Ok, bah là maintenant, c'est le moment de la gestion des failles. Hein. Y a plus... Ça y est, hein. Donc là... On a une faille ici, une faille ici, une faille ici. Ouais, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Donc, elle, on se dépêche. Elle, bah, je vais la fermer. Oh là là, j'ai accès à aucun héros là.
Ah non, j'ai juste pas la thune. Attendez. On va régler ça vite. Must feast. This will bring me spoils. Du coup, après, on va courir sur cette faille, je pense. Et on va aller chercher quelque chose. C'est ça. No, you cannot play with me. Enfant de Slaanesh. Alors normalement, c'est censé être très rapide en face. Donc, on va se dépêcher de retourner dans nos montagnes finalement. Et on va aller défendre tout notre territoire. Parce que là, il faudrait vraiment arriver à conserver hein, tout ce qui est possible en termes de revenus qu'on a investi. D'accord, donc ça, je suppose que ça réduit. Alors. Après, on peut essayer un truc rigolo. Est-ce que vous croyez que ça... Ça peut sniper le seigneur. Master Seeker! Cavalry! Master Predator! Master Seeker! Hungry! For sure! Doesn't matter who they are, what tricks they've got, they're only mate. On va essayer, voir. Oui, ça peut essayer de sniper un seigneur, ça. My next trophy in my sights. I smell game. All prey is doomed. Il va se prendre un bout de fer dans la gueule. Il va disparaître. Voilà. Bring us me, Lead Belchers. Me, Lead Belchers. Hunt them down. This way. Ogres. Pas sûr que là ce soit un angle pour le bout de fer, hein. De troll là. Ça. The dark magic greets us, gold. Et là du coup l'autre il est sur Master Rock. Killing time. Pray. Ah.
Ils attendrissent la viande en fait, sur les rejetons, c'est ça l'idée. Va pas assez précis, Ouais, quoi. T'as vu ou pas? Il est arrivé, il a pas fait grand chose, hein. Pourtant il est censé être rapide, hein. On l'a aligné, hein. L'avantage c'est que c'est un gros monstre. Si c'était un seigneur petit. Mais un truc costaud comme ça. A crude attempt to subjugate. Du coup. That's why I'm in charge. On revient là-bas. Ah, le relou. Surtout qu'il fait ça pour rien. En vrai. Je crois que je vais l'abandonner, hein. Parce que là, lui, il va jamais accepter le combat, il va être chiant. It's feasting time, boys! Let him go, I said so. Boss of bosses. Voilà. Bon bah on fonce sur les failles, hein. Littéralement avec lui, avec le héros, je pense que même du coup, peut-être pour aller plus vite, non je peux en recruter un, mais là en vrai si j'envoyais lui, il le ferait en 1, 2, 3 tours. Tandis que lui du coup, si je prends le chasseur là... Je fonce sur celle-ci en 2 tours. Ok. Une fois qu'on aura réglé ça déjà, on verra. Ok. Que je vais gagner pas mal de pognon. Ok. Après, en vrai, dans n'importe quelle faille où on va, normalement ça passe. Ça là-dessus, je m'en fais pas trop. Résistance physique, évidemment. Après, Mastorock. Commencer à aller là. Donc là, il y a deux Mastorock maintenant. Faut que je lui prenne. Je sais plus c'est quoi. Et lui, il faut qu'il soit fufu, hein.
Comment il devient fufu d'ailleurs lui? C'est ça? Non, ça c'est déploiement d'avant-garde. Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu un fufu l'autre? Et là il est marqué 44. Hein. Moi, je comprends pas. Hein. Entretien, ouais, donc ça on le prendra. Ça c'est pas besoin de le prendre. Traqué pour l'émeute, pas besoin de le prendre. Attribut, pas besoin de le prendre. Ça, ok. Donc c'est intraçable tracker. Il faut lui aussi qu'il l'ait. Hein. Donc ça c'est l'armée late game de Gressus. Hein. Vraiment là, non, on fera pas plus. Hein. Must feast. Ouais, il va gagner beaucoup de dégâts au moment où il va passer en 7. Hein. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Hein. T'as presque envie d'en avoir deux comme ça. C'est lui qui tape. Ah, qu'est-ce qu'il fait à faire là, lui? Il va essayer de m'embêter. J'ai pas envie de taper son armée, je risque d'avoir la peste. C'est chiant un peu. Dommage, c'est qu'on avait enfin nos deux armées du coup pour... Ok, c'est rentré. Certains sont rentrés. Ah lui, il va se retrouver un peu bloqué, hein. Ouais, je m'en cogne de toi. C'est con, hein. Ah, mais t'as zéro ville en plus. Ça veut dire que là, si je te tue, t'es plus là, en fait. This shockingly obese. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Trade Lord, Tribe Stealer. Aïe 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 aïe! On va devoir le tuer, hein. On va devoir le tuer. The Godman. On va pas avoir le choix, hein. Corn and brine. Lui. Là-bas. Et il s'est pas décollé, lui. Spread the fire. C'est pas grave, après, lui, il ira par là, lui, il ira par là, hein. Bah, je perds un peu de temps, quoi. Tyrant of the tribe. Find the tribe. Il se dépêche de fermer celle-ci, déjà. Bon, bah, Nurgle. Adieu, hein. Adieu, mon ami, hein. Enfin, mon ami, hein. Je n'ai que des bonnes idées. Over Tyrant, Grisus. Oh, si tu pouvais éviter de tuer mes trucs. Oh, oh. Parfait. Parce que là, je veux pas perdre de temps. Faction détruite, vous rendez compte? Grisus, the shockingly obese. Bring me fresh nobles. Widen the doorways. And now we face. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien aller dans la file, hein. Ou alors je vais dans celle-ci, mais c'est un peu dangereux quand même. C'est dans quelle file que je dois aller avec lui? Nurgle. Pousse la neige. Bon. Ça va. Busy cooking.
Just watch the flames dance. Au pire, il reste pour un... pour la bataille après. Master Butcher. On a 12 000, donc il y a de l'investissement à faire. Un petit mur ici, ça serait pas mal. Ça, ça serait pas mal. Comme ça, on peut s'en débarrasser de lui. J'investirai pas là. Ici, je peux. Alors, s'il se dépêche pas, bah, il a plus la possibilité de le prendre. À lui de voir. Bon, si je me fais assiéger, au moins, je pourrais peut-être me défendre avec ça. Ok. Aïe. Non. De nouveaux contrats, mais au final, on les fait pas. Donc au pire, lui, je l'ignore. Butcher-in-chief. Boss of bosses. Le problème, c'est que toi, t'as pas le temps de faire un... Hold master. Come on, faster. Allez, on se dépêche. C'est dommage, j'aurais aimé t'avoir, mais bon. Tant pis. Prepare the chop house. Tant pis, tant pis. Carve and grind. On va aller chercher ça. Zog'off. Tyrant of the tribe. Est-ce qu'avec les camps... On verra bien si j'ai investi pour rien. Allez, lui il peut fermer. The savage nomad. They can't elude me. Oh, tu peux fermer en même temps. Wow, truc de fou. On va faire double action. Too far, too reckless. Non. Bah en vrai, toi, t'y es en combien de temps? 3 tours. Ça doit être à peu près pareil, hein. Donc autant que je fasse ça et que je fonce sur celle-ci après. Là, après, je fonce là. Et lui, il garde les frontières. Capturer. Rasez ou mettez à sac. Ouais, j'aimerais bien celle-ci, mais... On n'y arrive pas vraiment. Ah, il va peut-être être chaud d'ailleurs, là, pour la Confédération. Lui, je l'accepte carrément. Hein. Lui, sûr, 100%. Hein. Il va me permettre de faire une nouvelle armée. Donc, s'il est chaud, on l'accepte. Encore un peu plus de pognon, encore un peu plus de pognon. Du pognon dans 2 tours. Là, on n'investit pas vraiment. C'est dommage, mais...
Par contre, celle-ci, je vais pouvoir la fermer au prochain tour. En vrai, raser, ça va, hein. Au moins, ça met mes frontières, hein. J'y vois aucun inconvénient là-dessus, hein. Parce que de toute façon, ouais, il faudrait que je garde une armée dans, dans cette zone ou sois capable de la créer rapidement. Ça peut être différent. Ok. Province du Nord, du coup, alors je pourrais carrément la détruire en vrai. Hein. Laissons-le détruire, il est parti pour ça. Ah oui, mais j'avais capturé parce que ça, ça me donne un trait. Ça m'enlève le trait. Ah, c'est vrai. Ah bah toi, à mon avis, ça va pas être ça du coup. Non, 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 il faut préparer le, les chances de suppression, hein. Ok, donc là, il est full avec ça. Ouais. Et prochain tour, on est dedans. Ici... Tu vas vraiment me détruire le camp là? Je pensais qu'il passerait pas en fait. Mais je sais pas comment il a réussi à passer. Ah, tunnel, oui, c'est vrai, tunnel. Ça se tient. Merde, il va me détruire mon camp du coup. Oh le relou. J'avais investi dedans, enfoiré. Je pense pas que ce soit ça. Ok, dernière bataille de l'épisode. Et après, bah, le prochain, c'est forcément dans la faille où Grécius récupère, hein. Par contre, ouais, ouais, si, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, puisque du coup, je peux concentrer les unités là-dedans, a priori. Et les cannibales derrière, bah, c'est les MVP, peut-être, probablement de nouveau. En plus, je vais pouvoir spammer du corbeau en autre badine du trompeur. Enfin, autre badine du trompeur. Ça va être très, très fort. Where's me master? I'll smell ya. Where's me master? I have beasts. We's ogre mates. Serve the ogres. When do we eat? I'll smell ya. Master of butchery! Immolation! Incineration! Cookmaster supreme! On verrouille ça. S'il y en a un qui essaie de faire le tour, on le déboîte. Puis voilà. The Slaughtermaster! Cool of the moor! When do we eat? Crunch their skulls! Bring us meat! Crunch their skulls! This way! For sure! I go! Spreading fire!
Ok. En fait, non, je devrais spammer là où il est. Hein. Je sais pas pourquoi. On a réussi à intercepter comme il fallait. Ah, les petits cannibales, ils sont en train de s'amuser sur des monnettes. I seek a radiance. Hungry! Immolate them! Run for it! Butcher them! Embrace the hunger! Voilà. Ils abandonnent, mais au final, ils vont s'en remettre. Juste les envoyer là où il y a le seigneur maintenant. Voilà. I ain't no gobbo. Moore's right hand. The meat hook is ready. Carven. Boss says so. Hungry. Off we go. When do we eat? In my gut. Voilà. De toute façon, il n'y a rien qui va s'en remettre puisque c'était la faille. Eux, ils prennent de l'expérience aussi. Bon, si on pouvait avoir les points d'acier version mangeur d'homme, ça serait pas mal. Passer une petite upgrade de résistant, ça passerait bien. L'avantage, c'est qu'on va se faire pas mal d'argent. Donc, on va pouvoir investir dans nos villes, les renforcer. Voilà. Donc là il régène. On va foncer droit sur cette faille là. L'autre, bah finalement, on se dit que c'est lui qui va la gérer. 1, 2, 3. Je pense que ça mettrait à peu près le même temps. Bon bah là c'est les revenus globaux sûrement qui chutent un peu. On voit ce qui se passe, mais là à mon avis je perds ce camp. Ça me paraît être obligatoire. Donc là il se fait assiéger lui. None but Slaanesh may dominate me.
Moins 60, mais ça va revenir. Plus rien à faire? Non. Il faudrait que j'aille vite chez Slaanesh, hein. Donc là, prochain tour, je rentre dedans, puis voilà. Côté YouTube, on va s'arrêter là. On se dit au prochain épisode où je me retrouve dans la faille de Slaanesh, l'avant-dernière. Et puis... hop. Non. Donc, on se retrouve dans la faille de Slaanesh. On récupère l'avant-dernière âme. Fête décisive, ouais, c'est pas cool. Bon, avec son armée, il fera pas grand-chose. Hein. Il me détruit un truc, yes. Voilà. Et... bah, simplement, on... les projets, normalement, c'est toujours de détruire Kairos, si possible. Nurgle est mort. J'aimerais bien aller sur la droite, mais à la limite, avec une nouvelle armée. En fait, il faudrait que j'arrive à... Oh là là, en plus c'est Kairos qui rentre à l'intérieur là. Ouais bah heureusement que je rentre aussi hein. Heureusement que je rentre aussi pour essayer peut-être de l'intercepter. Mais après les projets c'est de confédérer lui et potentiellement aller taper Miao hein, pour que ça se calme. Hein. Et pour l'instant... Bref on a une frontière, on a un joli territoire mais c'est compliqué quoi. Je pourrais avoir encore un plus joli territoire, peut-être. Non, il est pas trop chaud, mais laissons-le être conquérant. C'est très bien. Des gros bisous, YouTube. Au prochain épisode. Ciao, ciao.